Ah bah ouais, voilà. Ça commence très fort. Ça commence très fort. Pour être bien organisé et pas être perturbé non plus par les adversaires. Allez, on recolle à 4 partout. Dès qu'il essaye de lancer une offensive. Oh, que c'est bien construit, que c'est bien construit de la part de Félix. Ce sont des joueurs très puissants. Véritablement. Voilà, encore. Oh, la puissance dans ce coup droit. Oh, oh, cette balle d'égalisation à 10 partout. Et oui, il ne bouge pas de la table et il fait un contre-top à la chinoise là. Allez, première manche qui tombe dans l'escarcelle du plus jeune des deux frères, Félix Lebrun, qui remporte ce set 12 à 10. Oh, bravo, il s'en sort très très bien. Alexis là-dessus. Oh. Voilà. Il y a un coup dessus Alexis dans cette deuxième manche. Oh. Ah, il y a de l'ambiance là, dans l'Azur Arena. Point de chance, ça fait du bien. C'est pour curer une balle de 7. Allez, un 7 partout dans cette finale. 100% Lebrun. Quel point! Oh, le plus bel échange de ces championnats de France pour le moment. Quelle rencontre! Magnifique! Quel échange! Tout à fait. C'est un peu plus dur là pour Alexis, ouais, parce qu'il manque de compétition. Hein. Exactement. Oh. Ouais, bien joué. Et on recolle à 5 partout. Félix n'avait pas touché la balle en coup droit, qu'il était déjà positionné avec son revers au milieu, il savait que la balle arrivait là. Oh là là, oh là là, la puissance. Bravo. Il ne doit pas rester trop stéréotypé, Félix, il doit toujours changer. Voilà. Mais oui, parce qu'Alexis connaît tous ses services. Donc. Allez, 17, 3 balles. En faveur d'Alexis pour mener 2 manches à 1. Voilà, c'est fait. Il mène 2 manches à 1, l'aîné des deux frères Lebrun. Même là, il contrôle la balle. Ouais, Félix qui joue deux nouveaux services là. Service renversé du revers. On le rappelle, hein, Alexis ne s'est jamais incliné face à son frère. Opportunité manquée de la part d'Alexis. Et voilà, un troisième set pour Alexis qui mène 3 à 1. Ah, dans une finale dans laquelle maintenant il est bien rentré. Hein. Ouais, c'est. Il est au-dessus, Alexis, il me bluffe. C'est sans doute ça. Parce que bon, sur le plan tactique, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il connaît son frère par cœur. Donc, Alexis, voilà. Bon, c'est encore un peu léger à ce niveau-là.
Et lui, il s'appuie sur cette balle. Wow. Oh là là, oh là là. Oh, bravo. Bravo, bravo. Franchement, c'est bien joué de sa part. Allez, un petit baroud d'honneur, Félix. Oh là 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 là. Et là, ça fait 5 balles de match pour Alexis Lebrun. Et voilà, victoire et belle émotion d'Alexis Lebrun qui revient au plus haut niveau et qui réussit la performance de conserver son titre national. Ouais, deux fois champion de France, coup sur coup, c'est fabuleux. Bravo, hein. Et c'était un beau spectacle en plus. Hein. Et ça va lui donner beaucoup de force pour revenir au plus haut niveau international. C'est beau pour lui. Bravo.